Ses devoirs. Ah, je vais demander à Shalom. Shalom, tu veux jouer avec moi à Plouf Party? Non, non, je suis en train de lire. Allez, Shalom, viens jouer avec moi. Tout le monde est trop occupé. Eh bien, sache que moi aussi je suis occupé. Et personne ne veut jouer avec moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon Shmuel? Personne ne joue avec moi. Demandez à Shalom. Il m'a dit, sache que je suis occupé. Ça veut dire qu'il ne veut pas jouer avec moi. Shalom, tu sais que Shmuel est très triste que tu ne veux pas jouer avec lui. Il est pas en train de lire. Mais tu sais que tu lui as fait beaucoup de peine. Ah non, je ne voulais pas. Alors, on va réfléchir comment arranger ça. Je réfléchis. Peut-être qu'on joue ensemble et après, on va lire ensemble. Très bonne idée. Tu sais, Shalom, là, tu es en train de faire la mitzvah du Rambam. Vraiment? La mitzvah du Rambam, c'est Avat Israël. C'est qu'on doit aimer son prochain comme soi-même. Là, quand je joue avec moi, je fais Avat Israël. Bien sûr, tu donnes du temps à ton petit frère, ça c'est Avat Israël. Alors Avat Israël, c'est pas seulement quand on donne des choses, c'est quand aussi on donne du temps. Exactement, mais aussi Avat Israël, c'est aimer même celui qui est à l'autre bout de la terre. Si on le connaît pas, on doit aimer chaque béni Israël comme soi-même. Ok, je fonce par la mitzvah de Rambam. Shmuel, viens, on joue ensemble. Je suis d'accord. C'est vrai. Shmuel, je t'aime de tout mon cœur. Comme mon cœur. Quoi? Faut encore tout recommencer? Démission.